Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pour vous le prophète Joël Francis Tatou en direct de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire à Abidjan. Je ne suis pas Yamoussoukro, je suis à Abidjan. Et par la grâce de Dieu, hier, nous avons non seulement clôturé la bénédiction d'alliance que nous avons eue à ABMC chez le révérend, chez l'évêque Alexandre Amazou, que je remercie beaucoup de m'avoir invité, reçu ici à Abidjan. Et Dieu seul sait ce qu'il a accompli. Ceux qui ont été en direct ont été bénis par les messages. Ceux qui sont encore sur ma page Facebook d'ailleurs, et même sur sa page ou la page de l'église ABMC. Donc ABMC, donc, merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Vous êtes merveilleux. Tous les Abidjanais, vous avez été très, très, très hospitaliers. Là, je suis encore à Abidjan et je m'apprête à rentrer sur Kinshasa. Nous nous préparons à 7 jours de jeûne et de prière à la fin de l'année. Nous préparons à prier pour la nation. Nous nous préparons à des grandes choses que Dieu a réservées pour nous l'année prochaine. Alors, merci beaucoup. Venez très nombreux, s'il vous plaît, à ce live. Partagez la diffusion, s'il vous plaît. Vous avez juste les indications en bas. Partagez, invitez tous vos abonnés. Dites-leur, le prophète Joël Francis Tatou est en direct. Parce que je vais être direct, je vais être clair. Et je vous fais part d'un mouvement de Dieu. De quelque chose de nouveau, de frais, qui vient du ciel, une nouvelle vague, une nouvelle pluie. Oh mon Dieu, mon Dieu. J'ai hâte de vous partager ce que j'ai à vous dire en ces instants. Donc, venez très nombreux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez la diffusion à un grand nombre de personnes. Merci à Ouagadougou, merci à Dakar, merci à Libreville, chez mon frère, le pasteur Luc Ondias. Et j'ai passé un bon moment à Libreville au Gabon. Et j'ai rencontré le merveilleux serviteur de Dieu, l'évêque Dorego, qui nous a reçus, partagé beaucoup de bonnes choses. Et merci à toutes ces personnes, papa Mamadou Kambiri, qui nous a merveilleusement bien reçus avec son épouse à Ouagadougou. Et leurs encouragements, les prières, vraiment nous ont poussé encore près du Seigneur et nous ont greffé encore beaucoup plus dans. Nous ont encore vraiment greffé dans les priorités de Dieu, dans ce que Dieu fait, dans, non seulement dans la francophonie, hein, parce que nous ne sommes pas limités à la francophonie, mais ce que Dieu fait dans le corps du Christ. Et je remercie beaucoup ces hommes que Dieu a mis sur mon chemin. Ce n'a pas été uniquement pour donner à toutes ces nations où je suis passé, mais c'était aussi pour recevoir. Et j'ai beaucoup, beaucoup reçu. Partagez la diffusion rapidement. Dans une minute, j'aimerais commencer. Dites-moi à partir de vous me captez. De la Côte d'Ivoire, Abidjan, merci. Mika, Mikaël, depuis Dakar. Dites-moi, c'est à partir d'où que vous me captez. À partir d'où, dites-moi à partir d'où comme ça. It was an awesome tower. God bless you, my son, from Cyprus, de Cameroun. Merci beaucoup, prophète Eric Tamba. Blandi, à partir de Libreville, je sais. Cassandra Béa de Genève. Ibrahima de Dakar, de Lyon, grâce. Myriam, ma fille, à partir de Paris. Samuel, à partir de Paris. Kiriale, Abad, je sais pas, Badé, je sais pas, Paris. De Montréal, Arabella. S'il vous plaît, partagez la diffusion, invitez un grand nombre de vos amis. Je vais être straight to the point. Je suis de Paris, prophète, que Dieu vous bénisse. Ken Bandala, merci. De la Suisse, Désiré Stoffer, Frédéric, Isabelle Courtney d'Abidjan, merci. Cape Town, Mike Okito, mon fils, monsieur le marié, prophète Jérémy Samuel, je te salue, partout de la Belgique. Victor Vidal de Paris, Burkina Faso. Roselyne Poda de Montréal. Nelly Bilga, Cyprus. New Zealand, ok. La Nouvelle-Zélande est le lieu géographique le plus éloigné de Jérusalem, géographiquement parlant. De Montréal, Jimmy, Côte d'Ivoire, Zoé, Blandine, Libreville. S'il vous plaît, partagez, invitez. J'ai besoin qu'on ait un peu de 150. Je sais qu'on va partager à tous vos amis, tous vos abonnés. Dites-leur de venir très nombreux. Depuis le Maroc, je ne sais pas, Rabat, Marrakech, de Djogo, mon fils Jonathan Mungongwa, content de te voir en ligne pour tout ce que Dieu fait de ton côté. Yaoundé, Kinshasa, Kinshasa, merci, venez très nombreux. Saint-Étienne, voilà, partagez la diffusion, s'il vous plaît. Prenez-moi service, on peut le faire ensemble. Partagez un grand nombre de personnes. Partagez la diffusion, dites à vos amis de venir rapidement. Le lien est en bas, partagez juste, puis nous allons commencer rapidement. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer d'Istanbul, de Paris. Voilà, on peut aller, on va aller à plus de 150 là, et puis je commence direct. Gloire au Seigneur, depuis la Côte d'Ivoire, venez très nombreux. J'ai besoin de vous depuis Paris. Depuis Paris, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent vers vous. Depuis la Côte d'Ivoire, Istanbul, depuis la
la Turquie, Bruxelles, en Belgique. Et voilà, on est à 150 watching from Kenya. God bless you and God bless your wonderful country. We are so thankful to the Lord for peace after the election and for the maturity of political people. And we thank God and pray God for us in our countries to have such kind of wisdom and maturity to lead our people with peace and national unity. God bless you. The Baghdad, wow. The Baghdad, God bless you. Wow, wow, wow. Dieu te bénisse pour le bien que tu nous as fait d'aller. Que Dieu soit glorifié. Voilà, je vais commencer maintenant déjà. Voilà, j'aimerais prier si vous le permettez. Père, dans le nom de Jésus-Christ, merci avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, pour la grâce que tu nous fais d'être là ce soir. Merci pour ces milliers, ces millions de personnes que tu attires déjà par ta grâce pour suivre cette annonce. Déjà cette nuit, ceux qui vont suivre plus tard, et ceux qui vont voir la campagne sur les réseaux sociaux, je prie avec le Saint-Esprit que tu nous fasses grâce, oh mon Dieu, que tu nous fasses grâce par le Saint-Esprit, qu'il souffle des quatre vents, et que tu attires vers cette vision ce que tu as prévu que nous puissions recevoir pour faire avancer ton royaume. Nous te promettons la gloire pour ce que tu vas faire dans cette campagne, dans ce lancement de campagne. Nous te promettons déjà la gloire pour tout ce que tu vas faire dans ces 48 heures. Nous allons témoigner ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Bénis ces instants et que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà, c'est vraiment pour moi un grand bonheur de venir vers vous pour vous présenter une vision. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Joël Francis Tatou. Et dans le corps du Christ, il a plu au Seigneur de m'établir comme prophète et avec aussi un ministère apostolique et une grâce doctorale. Donc, Dieu se sert de nous selon sa grâce. Et depuis déjà 20 ans que je prêche la parole de Dieu et... un peu plus de 7 ans que plusieurs nous ont découvert dans les nations à partir de ce médium, de ce support, de ce véhicule que l'on appelle Facebook, YouTube aussi de même, ainsi que Twitter et beaucoup d'autres réseaux sociaux par ce canal d'aide, de point de contact, de par la globalisation et la mondialisation. Plusieurs ont été bénis par nos messages, je me rappelle, Réunion du Saint-Esprit, Assemblée Générale des Sentinelles, Roua. Et des gens de partout nous suivaient et nous ont dit, voilà, il y a un prophète au Congo à Kinshasa, que Dieu utilise ses messages, l'atmosphère des réunions et des conversions. Tout à l'heure, j'étais en live sur Instagram, d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi, il y a un garçon qui a témoigné, qui a dit qu'il était venu à une réunion du Saint-Esprit, puis il s'est rappelé comment j'avais prophétisé, quand papa et mon autre étaient là, j'avais dit des choses qui allaient arriver, j'avais prophétisé pour les choses qui allaient arriver au pays, une pluie qui allait tomber, et subitement, il s'est retrouvé au Maroc, il a ses documents, là, il est à Paris. Donc, il nous a fait le témoignage pour dire merci à Dieu. Donc, des témoignages comme ça, il y en a alors et il y a beaucoup, beaucoup de témoignages de ce que Dieu fait. J'étais à Dakar, c'est incroyable. J'étais en Inde. J'ai même vu mes fils spirituels là-bas, Ander, qui est ma pasteur maintenant dans notre église à Kinshasa. Et voilà, il y a des témoignages de partout de ce que Dieu fait. Et parmi tous ces grands hommes de Dieu, Dieu a choisi que nous sommes le moindre qui va être utilisé pour bénir plusieurs. Plusieurs ont vraiment été bénis, édifiés et je rends à Dieu toute la gloire. Alors depuis 5 ans à peu près, je n'ai pas été à Kinshasa. Ce qui fait que plusieurs me voyaient, je venais, je rentrais et je n'étais pas au même endroit parce que Dieu lui-même m'avait envoyé à l'est du pays. J'ai passé quelques mois à l'est et j'ai été au Burundi, j'ai fait 2 ans. Et un peu quelques jours avant que la guerre, les émeutes puissent éclater, le push, le coup d'état raté. Et après ça, je suis allé à Lubumbashi où j'ai implanté l'église. J'ai béni mon fils, le pasteur Daniel Kembolo, qui a eu à faire un très grand travail. J'ai béni Dieu pour cela, qui travaille. J'ai parlé avec lui tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà, je suis rentré maintenant sur Kinshasa. En rentrant sur Kinshasa, ça veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça veut dire se réinstaller, ça veut dire aussi, à partir de Kinshasa, m'ouvrir au monde. Voilà pourquoi plusieurs m'ont vu cette année 2 fois en Côte d'Ivoire, 1 fois à Ouaga, Dakar. Et là, j'ai encore les invitations à Dakar, à Ouagadougou, le prophète Michael qui est même déjà ici à Abidjan. Donc, nous allons nous voir. Donc, je suis rentré à Kinshasa. Et voilà. Maintenant, nous sommes à la veille, nous sommes au mois de décembre 18, nous sommes à la veille de l'année 2018. Et
par la grâce de Dieu, Dieu s'est servi de nous durant toutes ces années. Et beaucoup de gens m'ont posé la question, mais prophète, on te voyait très présent sur YouTube, les vidéos, tes cultes, tes réunions. Maintenant, ce n'est pas évident, des Facebook Live avec un matériel qui n'est pas de ton niveau. Nous souhaitons que tu communiques différemment. Et c'était mon souhait à moi-même aussi, parce que j'attendais de poser les pieds sur terre, d'être à Kinshasa, afin de mieux organiser les choses, mieux structurer les choses, et puis voilà, lancer. Mais néanmoins, que cela ne tienne, beaucoup de gens suivent les lives Facebook, suivez sur Periscope, sur Instagram et Facebook Live, et voilà, avec le peu de moyens que nous avions. Mais nous étions en train de nous organiser, c'est pour cela même que je suis avec vous. Alors, le Seigneur m'a parlé de ce qu'il voulait faire, par la grâce de Dieu, dans mon ministère, à partir de l'année prochaine. J'aimais ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu n'as pas encore commencé. C'est en 2018 que tu vas commencer le ministère. J'ai voulu poser des questions. Il m'a dit, tu étais encore en train de combattre contre le lion et l'ours. Et cet épisode de la vie de David n'est même pas le 1/10 de tout ce que Dieu avait encore à faire. Voilà. De tout ce que Dieu n'était même pas le 1/10 de ce que Dieu avait à faire avec David. Rappelez-vous, après il était chez le roi, il a fait tomber Goliath, après il est en exil, après il a même fait le saut dans le camp des Philistins, il a été roi sur Juda, après encore et encore et encore sur Hébron, et puis voilà, vous connaissez l'histoire avec les Philistins, les problèmes, les crises qu'il y a eu, intestine, au niveau de sa famille, les enfants. Après, il a oint Salomon comme roi, et puis il était là, et puis il est mort d'une heureuse vieillesse. Comme pour dire que ce qu'on a fait, ce que les hommes de Dieu des fois font, les gens pensent que c'est tout ce qu'ils ont à offrir, c'est tout ce que Dieu a à faire avec eux, et pourtant, sincèrement, ce n'était encore que le taxi. Maintenant, nous avons décollé, et je suis en feu en cette fin d'année, à la prière, au pied du Seigneur, et le Seigneur m'a dit, il veut me passer à autre chose. Et compte tenu des choses que nous faisons, et déjà, et qu'il veut faire par sa grâce, nous lançons cette opération, opération matérielle mission. C'est quoi l'opération matérielle mission? C'est une campagne de mobilisation de fonds, puisque nous voulons avoir un équipement qui est à la pointe de la technologie, qui nous permet de pouvoir faire ces quatre choses que je vais dire pour vous. Numéro 1, nous voulons médiatiser les messages évangéliques pour le salut des âmes. L'une des grandes priorités que Dieu a insisté dans mon esprit, partout où je suis allé, j'ai parlé de ça, c'est l'évangélisation. La puissance, l'onction, les finances, toutes ces choses sont des moyens par lesquels Dieu veut attirer les regards des hommes pour gagner les âmes. Alors nous voulons avoir un matériel, des plateformes médiatiques afin de permettre aux âmes d'être gagnées. Ce que nous allons faire, nous allons mettre le salut des âmes en avant l'année prochaine, et l'année de la grande moisson, l'année de l'évangélisation. Et vous allez voir dans tout ce que nous allons faire plus tard, chaque émission, chaque école de ministère, chaque prédication, il y aura toujours des appels au salut, parce que c'est ce que nous voulons faire. Deuxièmement, véhiculer la voix prophétique partout dans le monde. Le ministère prophétique est l'un des ministères les plus incompris dans le corps du Christ et surtout dans la francophonie. Alors, nous voulons, par la grâce de Dieu, exposer le ministère prophétique. Exposer non seulement le ministère prophétique, mais aussi les manifestations prophétiques. Nous avons plusieurs sites internet chrétiens qui font un très bon travail. Mais dans la politique de plusieurs sites internet, c'est toujours les prédications, les enseignements, mais on ne laisse pas trop voir l'aspect charismatique. Et puisque mon appel est en cela, non seulement moi, mais aussi dans la vie de tous les prophètes que je connais au niveau de la francophonie, nous voulons que cette plateforme médiatique, ces grandes plateformes médiatiques que nous voulons mettre sur place, soient des canaux par lesquels les prophètes se font entendre. Le ministère prophétique est exposé et célébré et accepté, parce qu'on ne peut pas mettre le ministère prophétique de côté en cette saison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de méli-mélo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de manque de sagesse sur le prophétique, mais que cela ne tienne, un mouvement de Dieu est là, est présent, nous devons l'accepter. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, si vous n'entrez pas dans la vague, les gens que vous avez vont aller vers les prophètes, pas parce qu'ils sont fanatiques, mais parce que Dieu avait dit, et dans les derniers temps, il a envoyé la fin, non du pain, la soif, non de l'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel. Et un grand besoin de connaître le futur, de connaître les choses cachées, ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu.
Alors, nous voulons permettre au ministère prophétique et à la voix prophétique, par la grâce de Dieu, vous connaissez la qualité des messages que nous enseignons, la qualité des messages que nous prêchons, et nous voulons avoir le matériel, le dernier matériau, sur la pointe de la technologie. Nous voulons avoir vraiment cette plateforme afin de pouvoir donner à l'Église des messages comme il se doit. Cette année, j'ai prêché des messages comme le mystère du chauffard. Ouais, ce sont des messages que vous n'avez pas sur Internet. J'ai prêché deux séries sur le mystère du chauffard. J'ai parlé sur des choses par rapport à l'eschatologie. Vous savez, l'eschatologie enseignée par un docteur est différente par rapport à l'eschatologie enseignée par un prophète. Ouais, j'ai parlé sur la mort ou alors après la mort. Dans des messages comme ça, vous ne les verrez pas forcément sur le net. Mais nous voulons avoir un matériel, une structure qui vous permet d'être édifié. Et à part le message que vous écoutez sur la sanctification, sur l'élévation, sur la prospérité, sur la bénédiction, sur la crainte de Dieu, sur le travail, sur la famille, vous puissiez aussi être touché par des messages qu'apporte le ministère prophétique et le ministère apostolique. Troisièmement, nous voulons exposer les œuvres de la puissance de Dieu. Je remercie Dieu pour toutes les plateformes que nous avons, qui font un merveilleux travail. Nous bénissons Dieu vraiment pour... nous félicitons toutes ces plateformes médiatiques de la francophonie chrétienne qui exposent ce que Dieu dit, les enseignements, les prédications. Mais à vrai dire, on n'a pas beaucoup de plateformes qui exposent ce que Dieu fait, c'est-à-dire des vrais miracles, des vraies guérisons, des vraies manifestations de la puissance de Dieu, des vrais services prophétiques en ligne où on voit Dieu parler avec clarté et exactitude. La Bible déclare de pouvoir publier ce que Dieu fait, de publier ses hauts faits. Et nous voulons que ces plateformes que nous sommes en train de mettre en place puissent nous permettre d'exposer ce que Dieu fait. Nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous avons peu de prédicateurs qui opèrent dans la puissance. Nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous avons peu de prédicateurs qui expliquent avec les Écritures ce qui se manifeste dans le domaine de la puissance. Alors maintenant, c'est le temps de renverser la tendance. Nous avons laissé les gens qui n'aimaient pas Dieu, qui n'aimaient pas le Saint-Esprit, qui attristaient le Saint-Esprit, qui ont blasphémé contre l'Esprit, avoir les médias, avoir des sites internet, avoir des chaînes de télévision, et ils ont dérouté la foi de plusieurs du Dieu vivant. Nous voulons ramener la foi du peuple terre El Shaddai, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant, en exposant ce que Dieu fait. Le pasteur Chris Lacklum et Benny Hinn ont mis sur pied la chaîne Love World USA. Pourquoi? Avec le but de publier les œuvres du Saint-Esprit, enseigner sur le surnaturel, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, les œuvres de Dieu, et exposer ce que Dieu fait à l'Église. Montrer au monde que ce Dieu-là guérit encore du sida, il ressuscite les morts, il fait de grands miracles. Et quatrièmement, nous voulons équiper et activer les grâces et ministères et les ministères des saints. Voilà. L'une des grâces que Dieu m'a fait, par la grâce de Dieu, c'est la dimension doctorale. Je suis prophète, je suis charismatique, et par la grâce de Dieu, plusieurs hommes de Dieu qui m'ont vu même, dont je vais taire les noms, m'appellent plusieurs fois pour me dire, mais prophète, le Saint-Esprit m'a dit, je dois suivre ton enseignement. Et j'ai suivi, je me suis dit, je n'ai jamais entendu ça, ou bien j'ai capté une pensée, mais elle s'était limitée à tel niveau, mais le sujet, tu l'as beaucoup plus, tu l'as exposé plus de profondeur. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Et d'ailleurs, quand nous avons l'opportunité de le faire, je vous promets que ce n'est même pas souvent le 20% de ce que j'ai préparé, parce que le temps est limité, les mégabytes sont limités, la charge est limitée. Mais mon temps, par exemple, un studio, je vais vous en parler, un studio, une structure, une plateforme où il y a l'école du ministère, par exemple, que nous on a dans notre structure, End Time Revival School of Ministry, dans l'école du ministère du réveil du temps de la fin, où nous enseignons sur... où nous vous donnons des cours. Vous prenez part dans le site, vous voyez les formations où nous parlons par exemple sur les cinq ministères, le ministère prophétique, comment opérer de la puissance. Ici, mon Dieu, en Côte d'Ivoire, j'en ai parlé un peu, c'était explosif. Là, dimanche, on a clôturé, il y a des gens qui m'ont dit, prophète, tu t'es venu en septembre, maintenant c'est décembre, j'étais stérile, je suis déjà enceinte. On a des témoignages des gens qui ont eu du travail, des guérisons, le cancer, le sida, j'ai des messages d'inbox qui débordent, les gens me disent, prophète, tu n'as pas idée de combien nous avons été bénis par ton ministère ici en Côte d'Ivoire, Dakar, n'en parlant pas, des sourds entendus, des niomandis. C'était, it was crazy. Ouagadougou, n'en parlant même pas. Donc, il y a des choses même que je n'ai même pas mis sur les réseaux sociaux parce que les gens ne sont pas encore prêts à avoir de telles manifestations surnaturelles. Il y avait des gens qui avaient de l'huile qui coulait de partout. C'était des choses exceptionnelles. Alors, mais nous ne voulons pas seulement garder les gens dans les charismes. Nous voulons emmener les gens dans la vérité scripturaire, enseigner, instruire. Parce qu'il y a un grand réveil qui se fait.
Mais on ne peut pas dire seulement aux gens, il y a un grand réveil. On peut pas seulement dire aux gens, allez faire des nations des disciples. On ne peut pas juste faire des déclarations. Jésus revient bientôt, c'est bien. Mais je crois que le temps est arrivé où on doit avoir des cadres, où en tant qu'autorité spirituelle, moi ainsi que plusieurs autres frères, nous avons l'opportunité d'enseigner à la nouvelle génération ou de partager des expériences avec les autres qui sont de notre génération. Dieu libère un nouveau mouvement dans l'évangélisation. Il va faire des signes, des miracles, des prodiges comme jamais on a vu. Je vous promets, l'année qui commence sera une année extrêmement glorieuse. Alors, à cause de cela, nous lançons cette opération, opération matérielle mission. Opération matérielle mission qui est la grande opération où nous sommes en train de, dans laquelle nous sommes en train de réunir les fonds, les moyens. Nous aurons trois sous opérations. Un, c'est opération matérielle média. Deux, opération matérielle mission. Trois, opération matérielle TV. La première opération va consister à réunir tous les moyens pour l'audiovisuel. Tout ce qui est audiovisuel, lumière. Parce que nous voulons monter un grand studio, très grand studio, avec prendre un bâtiment pour cela, lumière, caméra, Blackmagic, les tout derniers, avoir tous les mixeurs qu'il faut pour faire les Facebook Live, les YouTube Live, les mixeurs, tout ce qu'il faut pour les CD, pour les audios, notre espace pour la radio, que nous allons avoir une radio en ligne sur Internet où il y aura la prière, la louange et l'adoration, les prières prophétiques. Nous voulons faire beaucoup de choses, mais par rapport à l'audiovisuel, nous voulons acheter un gros matériel et monter un grand studio, avoir un gros matériel pour permettre à plusieurs de pouvoir être gagnés au Seigneur, de pouvoir être équipés dans le Seigneur, de pouvoir voir ce que le Seigneur fait, mais aussi pour pouvoir recevoir Jésus pour tous ceux qui doivent être sauvés. Alors, ce projet, je le lance maintenant. Dieu m'a mis cela à cœur, j'ai dit Seigneur, j'aimerais bien mieux me préparer. Il m'a dit, vas-y, je serai avec toi. Alors, cette opération est lancée sur cette vidéo. Vous allez voir le lien du site internet. Opération matérielle mission. Donc, opération MM, opération collée, opération, merci, opération MM.com, c'est-à-dire opération matérielle mission.com. www.opérationmm.com. Alors, vous entrez, vous allez voir le site qui est encore en train d'être aménagé, vous allez remarquer cela. Vous allez là où on écrit faire un don, vous avez carte Visa, vous avez Mastercard, vous avez PayPal. Vous cliquez juste sur le lien, vous avez tous les détails, vous pouvez envoyer. Il y a un miracle qui s'est passé. L'équipe qui travaille avec nous ont été surpris parce que quelqu'un a envoyé 50 dollars. Oui, on ne sait pas. Si vous y allez maintenant, vous allez voir qu'il y a 50 dollars. On ne sait pas d'où ça vient. Celui qui travaille dans l'équipe m'a dit, Daddy, je ne comprends pas. Et dans mon esprit, j'ai su que c'était un signe. On ne sait pas. Je ne sais pas si c'est miracle money. Moi aussi, je n'ai rien compris. Et lui aussi non plus. Donc, on s'est posé la question, oh Dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le corps de Christ? Alors, voici cette opération qui est lancée. Cette semaine, nous allons faire une vidéo officielle, vous montrer ce que nous voulons faire avec plus de détails. Quelqu'un a donné 250. Ah bon? Ok, ça commence déjà. Alors, de combien ai-je besoin? 500 000 au minimum. 500 000 dollars, 500 000, on est à 300 maintenant. Oh mon Dieu! On est en train de faire le rapport, donc on est déjà à 300 dollars. Je n'ai même pas encore dit commencer à donner. Waouh! Merci Saint-Esprit. Alors, 500 000 dollars, c'est 1000 personnes qui donnent. C'est 1000 personnes qui donnent 500 dollars. Voilà, 1000 personnes qui donnent. Voilà, 1000 personnes donnent 500 dollars. J'ai à peu près plus de 200 et quelques personnes qui me suivent. Vous êtes à 1000, vous donnez 500 dollars et c'est fait. Vous êtes à 2000, vous êtes à. Je ne suis pas très fort en mathématiques. Hein? Vous êtes à. Ah, voilà, voilà, 250, voilà, 2000 personnes, donc 250 dollars, et nous avons 500 000. Nous avons 4000 qui donnent 175. Voilà, anyway. Alors là, vous êtes, un miracle vous attend dans cette opération. Voilà, 2000 donnent 250, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Help me to break it down. Donc, on a 1000 personnes qui donnent 500, 2000 donnent 250. Allez-y avec moi, comme ça, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner.
Donc, je peux le faire avec vous. Cette opération, voilà, 5000 donne 100$. Alors, nous avons 2 mois. L'opération commence le 18 décembre jusqu'au 18 février. Dieu m'a parlé, il m'a dit, on va le faire ensemble. Et ces 2 mois sont 2 mois durant lesquels Dieu va nous visiter. Nous pouvons le faire. Vous me connaissez par la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a fait, la grâce que Dieu a fait à certains de mes frères et sœurs au niveau de la francophonie, les grâces que nous avons mais qui n'ont pas l'opportunité d'être exposées. Nous voulons établir une structure, vous me connaissez, ma force a toujours été dans les médias durant toutes ces années, mais j'ai été déconnecté un peu parce que je n'étais pas sur place. Maintenant je reviens, nous voulons lancer vraiment cette campagne. Vous avez 50€, 100€, 1000€, 2000€, 5000€, 100000€, 200000€. Prophète, ne prie même pas, reste calme, va jeûner, va prier, va chercher ton Dieu, va être en communion avec le Saint-Esprit. Moi, je m'occupe de ça. Il y a des gens qui ont des parcelles qui valent 1 000 000 $, 1 500 000 $. Beaucoup. Nous, nous voulons faire quelque chose qui va marquer la francophonie. Dieu nous a établi prophète dans la francophonie. Nous voulons apporter notre grâce. Il y a des pasteurs, des évangélistes, il y a des apôtres. Les gens ils font un bon travail, mais ma grâce à moi, c'est la grâce prophétique et la grâce doctorale dans le prophétique. Et nous voulons, et je vous promets, par la grâce de Dieu avec vous, nous avons le bâtiment que nous avons à Kinshasa, nous avons le culte que nous aménageons d'ailleurs les lieux. Ce que nous vous avons demandé, vous avez toujours vu cela être réalisé. Nous voulons maintenant le faire. Donc, dans exactement deux mois, dans le 18 février, à partir de minuit, nous serons là pour dire nous avons eu 500000$ minimum, nous avons réuni le montant et voici déjà le matériel qui a commencé à être acheté avant même que l'opération ne puisse se terminer. Je pense qu'on va pouvoir procéder comme ça. Donc avant que ce soit déjà le 18 février, avec ce que nous aurons déjà, nous allons voir comment acheter déjà le matériel pour vous encourager. Le bien avec cette opération, c'est que, un, vous avez le site internet, vous avez l'opération mm.com. De deux, il y a le compte à rebours qui est là. Un, donc vous pouvez voir vous-même, tous les liens sont là, cliquez, vous allez voir les montants qui sont en train, qui entrent. Vraiment direct, là, j'ai même les mails qui sont en train d'entrer, voilà. J'ai les mails, oh gloire à Dieu, j'ai les mails qui continuent d'arriver. J'ai les mails qui arrivent, donc c'est relié à mon mail. Donc je vois aussi le mail, et puis avec toute l'équipe qui travaille dans l'organisation, nous voyons les mails ici. Donc le mail est là, voilà, MaxiCash, account, voilà. Les gens qui envoient, les mails sont en train d'arriver. Donc vous avez votre Mastercard, PayPal, tout ce que vous avez. Écoutez-moi, je crois en un Dieu de miracle. Je crois, le Dieu qui m'a appelé dans le corps de Christ, il m'a appelé pour démontrer que le tombeau est vide, que Dieu est vivant, qui n'est pas une histoire, parce qu'être un prédicateur sans puissance, c'est être un professeur de religion. Il faut juste être à l'école et enseigner aux gens Dieu. Nous sommes déjà à 325$, la première soirée déjà. On peut aller à plus de 1000 avant que je ne clôture. Comme si nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous croyons en ton serviteur, nous croyons en cette vision, nous croyons en ce que tu vas faire. Nous sommes à 325, nous pouvons aller à plus. Prenez votre carte Visa, PayPal, Mastercard, tout ce que vous avez, là où vous êtes, allez directement maintenant, tapez sur le lien qui est juste en ligne, entrez et puis faites ce virement. Croyez-moi, le Dieu que nous servons est vivant et va vous visiter. Nous avons prié pour ça, j'ai prié pour cela avant qu'on arrive déjà le 31. Je te promets, certains auront un miracle de 24 heures, d'autres auront un miracle de 48 heures. Vous avez 20€, 50€, 100€, 1000€. 10000€, 100000€, 50000€, 20000€, 10 000€. Prophète, tu n'as pas besoin de me connaître, mais le Dieu que tu sers, Jésus de Nazareth, qui va en ce jour-là attendre des résultats de ma vie chrétienne, lorsque ces âmes sont gagnées lors de tes émissions, lorsque les âmes reçoivent Jésus en pleine émission, lorsque les gens écoutent la parole et qu'ils abandonnent le péché, qu'ils s'apprêtent pour l'enlèvement, des familles qui sont restaurées, des enfants qui sont affectés par la puissance de Dieu. Je sais que j'ai prêché avec toi. Je n'étais pas en train de prêcher, mais mon argent t'a permis de prêcher. Mes finances t'ont permis d'aller de l'avant. Alors là où vous êtes déjà, on peut aller à plus de 1000. Est-ce qu'on peut relever ce défi? C'est un défi. Ce sont nos prémices. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, ce sont nos prémices. Pouvez-vous nous donner à nouveau le lien? Le lien est sur cette vidéo. Donc, regardez juste au sommet de la vidéo, vous allez voir le lien derrière du lieu où vous allez envoyer le don directement et le lien du site internet. Faites-le maintenant avec moi.
c'est très facile, sortez juste votre carte que vous avez, votre carte, ok, c'est très facile, juste votre carte, et puis allez-y, vous avez un virement bancaire, vous allez voir tous les détails là, envoyez maintenant. Est-ce qu'on peut le faire? J'ai besoin que Josué puisse me donner une suite. Josué Kitoko, s'il est en ligne, j'ai besoin qu'il me dise si nous sommes déjà à combien. J'ai besoin que Josué me dise si on est déjà à combien. Si Josué peut me dire on est déjà à combien. Très simple, regardez juste sur la vidéo. On peut le faire ensemble. Moi, je ne crois pas. Voilà, premier donneur a donné 250. Voilà. Moi, je ne crois pas aux appels où on doit manipuler les gens. Non, non. Je crois en l'amour. Je crois en la conviction du Saint-Esprit. Je crois au témoignage du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui me suit là. Tu as de l'argent dans ta carte et tu sais que tu peux mettre 500 euros. Tu peux mettre 1000 euros. On est déjà, nous sommes à 325. On parle à plus de 1000 ce soir. J'ai quelque chose comme 10 minutes que je veux clôturer. Prenez cette opportunité de dire, Seigneur, j'aimerais être dans les prémices de ceux qui sèment dans l'opération matérielle mission. Mes frères et sœurs, nous allons faire un studio à la pointe de la technologie, avec tout ce qu'il y a de meilleur. Voilà, le lien est sur le titre. Tout ce qu'il y a de meilleur, vous nous connaissez sur les plans des médias. Nous n'utiliserons plus des téléphones. Nous allons avoir des Facebook Live professionnels. Lorsque je prêche à l'église, lorsque je prêche dans une conférence, vous aurez vous-même à nous voir Facebook Live direct. Il sera aussi YouTube Live. Donc nous allons avoir notre radio. Nous allons faire beaucoup de choses que nous allons vous présenter avec beaucoup plus de détails. Voilà, ça continue de venir. Voilà, ça continue à arriver, ça continue. Voilà, le lien est sur le titre. Allez-y tout de suite. Cliquez juste, prenez votre carte, 50 euros, 100 euros, 20 euros, 10 euros, 5 euros, tout ce que vous avez. Je crois qu'on peut aller à plus de 1000 avant que je clôture. Seigneur, ce que nous allons donner maintenant fait partie des prémices. Nous voulons donner quelque chose qui va ouvrir le ciel, qui va ouvrir l'atmosphère, qui va libérer l'esprit de libéralité dans le corps de Christ et l'attention des milliers de personnes pour dire, prophète Joël, nous croyons que Dieu t'a choisi, nous croyons que Dieu t'a donné ce message et nous croyons que c'est une nouvelle saison que Dieu donne à ton ministère. Nous voulons entrer dans la vague, s'aimer afin que ce que Dieu t'a donné soit connu dans le monde entier. Non seulement toi, mais aussi toutes les personnes qui seront exposées dans ces plateformes qui puissent trouver un cadre pour manifester les grâces qu'ils ont reçues de la part de Dieu. In the name of Jesus. S'il vous plaît, faites-le maintenant, faites-le maintenant. J'ai besoin de voir que les montants sont en train d'augmenter. Prenez votre carte, virez maintenant, 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 au nom de Jésus. Père, bénis ces hommes et ces femmes qui donnent déjà. C'est notre première soirée. Nous avons averti les gens que 30 minutes avant ce live, d'autres dorment, d'autres sont entre deux avions, d'autres sont en train de prier, d'autres sont encore en matinée, d'autres dorment, d'autres c'est la nuit. Mais je prie dans le nom de Jésus que tous ceux qui suivent en direct maintenant, on est à 350. Il nous reste combien pour faire 1000? Il nous reste 650. Donc on peut faire ça rapidement. Allez-y maintenant, envoyez 100 euros, 100 euros, 200 euros. Envoyez maintenant. Nous sommes en pleine opération matérielle mission. Nous voulons réunir ces 500 000 minimum. Si nous allons au-delà, gloire à Dieu. Et nous pouvons le faire même avant la fin de 2017. Nous pouvons le faire avant la fin du mois de janvier. Voilà, voilà. Donc, allez-y. Allez-y maintenant. Venez très nombreux, très nombreux, très nombreux. Dépassons les 300, allant à 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Qui est la prochaine personne. Prophète, je crois en toi. Ce que nous donnons, rien à voir. Voilà. Rien à voir avec des biens matériels. Non, non, non. Ce que nous donnons, c'est pour Dieu. Ce que nous donnons, c'est pour l'évangélisation. Nous voulons emmener la grâce de Dieu à une nouvelle saison. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une nouvelle saison. Il a donné à mon ministère une toute nouvelle saison. Et il a dit même à Ézéchiel que tu es un signe. Et je salue mon frère, le prophète Jean-Marie de Moreau, qui est en direct là. Merci beaucoup mon frère. Il sera ici à Abidjan à la fin du mois. Gloire au Seigneur. Sois béni mon frère. Bonjour à toute ta famille, à ton église. J'ai hâte de te voir bientôt. Et surtout à Kinshasa. Voilà, un ministère prophétique comme celui du prophète Jean-Marie seront dans de telles plateformes. Quand il est à Kinshasa, il donne ses cours, il enseigne sur le prophétique.
Nous voulons vraiment permettre à Dieu d'accomplir ce qu'il a promis, l'émergence d'une nouvelle génération de prophètes et de prophétesses. Voilà, nous sommes à 450. Voilà, ça continue. Ça continue. On parle à plus de 1000. Ça, c'est juste le minimum. Nous voulons aller à plus de 1000 avant que je ne clôture. Prophète, nous sommes allés à plus. J'aimerais que Josué me dise, on est à plus de 1000. Donc, 1000. Nous voulons, on peut le faire ensemble. Vous êtes en Europe. Voilà, partagez la diffusion, s'il vous plaît. Là où vous êtes, partagez à tous vos amis. Cliquez sur partager et dites à vos frères et sœurs de pouvoir. Voilà. Partagez la diffusion. Prophète, comment faire le transfert? Allez sur l'annonce de cette vidéo. Donc, au-dessus de la vidéo, vous allez juste voir les liens, cliquez, prenez votre carte et puis envoyez rapidement. Donc, nous voulons gagner le monde à Jésus. J'ai hâte de gagner des âmes. Et là, nous allons prêcher en français, nous allons prêcher en anglais pour permettre non seulement à ceux de la francophonie, mais aussi aux anglophones d'écouter la bonne nouvelle. Yes, we are going to preach in English, teach in English and impart people with the anointing of the Holy Spirit in English. Because God didn't call us only for French people, but we want to partager maximum, surtout apporter votre soutien. Merci à mon frère et ami. We want to preach the gospel of Jesus Christ. We want to reach the world for Him. The devil released a spirit of death in this hand of this year because he want to block people. He want to block people to receive Christ before. Before their death. So now we are working to preach the gospel, to pray for the sick, to prophesy and to publish what God is doing with us in this generation. So please come, send your contribution, send your seed. God will bless you. Allez-y tout de suite sur le lien qui est sur cette vidéo. Cliquez, prenez pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Plusieurs me suivent même là, qui se disent « Ah, le prophète, je vais faire une campagne. » Ne restez pas loin. Homme de Dieu, nous prêchons ces choses. Nous allons être les premiers pour pouvoir faire pareil. Je vous promets, nous aurons un site internet. Nous aurons un plateau. Je vous donne tous les détails avant la fin de la semaine. Nous allons faire une vidéo officielle, bien présentée avec tout ce que nous voulons faire. Nous aurons les détails. Mais déjà maintenant, merci à mon frère, des sires, des voyants. Merci beaucoup pour ta présence. Ça, c'est vraiment un frère à moi, ivoirien. J'aime beaucoup les Ivoiriens. Vous êtes un peuple formidable. Et ma vie est attachée à la Côte d'Ivoire. Je l'ai toujours dit, ça fait des années que ma destinée est liée à la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas exactement, profondément. On est à 460. Voilà, on peut avancer. Voilà. Donc, sur le site, là où on envoie les dons, vous pouvez voir comment l'argent augmente. Donc, l'opération est... voilà, nous sommes avec vous durant l'opération. Donc, l'argent que vous envoyez, nous voyons comment l'argent évolue, comment l'argent augmente. Voilà. That's wonderful. Ça, c'est la preuve que vous avez de l'amour. Donc, prenez votre carte, faites-le. Venez très, très, très nombreux. Nous voulons aller à plus de 1000 avant que je ne clôture. Quelqu'un peut dire, prophète, j'ai un 500 euros. Je l'ai gardé. C'est des fêtes. C'est la fin d'année. Il y a des priorités. Mais je crois en cette opération. Puisque tu parles de la mission, puisque tu parles des âmes, voilà. 7 personnes ont donné déjà. Nous sommes à 460 et 7 personnes ont donné. Merci Josué Kitoko qui régule tout. Donc voilà. Donc il y a des gens qui donnent. Là, j'ai les mails sur moi qui arrivent. Voilà, vous pouvez encore faire plus. Venez très, très, très nombreux. On a besoin de 500 000 dollars minimum au plus tard le 18 février. Prophète, je crois, j'ai toujours cru en toi. Et je sens que Dieu fait des choses nouvelles. Et je sens que les jours qui viennent seront beaucoup plus glorieux. Mais nous voulons t'écouter. Nous voulons écouter tes messages bien présentés, avec un très bon support vidéo. Nous voulons avoir les audios, avoir tes messages, avoir tes messages lorsque tu as un culte. Voilà, quand tu fais tes enseignements, quand tu as un culte le dimanche, nous voulons participer, nous voulons être là. Et voilà. Nous voulons, beaucoup de gens disent que prophète, je veux que tu sois mon mentor, mais je ne sais pas aider tout le monde. Je vous dis avec humilité, je reçois. Nous sommes à 710. Waouh, là. Il y a quelqu'un qui a. Nous sommes à 710. Waouh. Merci beaucoup. Peut-on donner par Western Union? Je sais qu'il peut nous faire un message tout de suite. Peut-on donner par Western Union? Alors, de partout où vous êtes. De partout où vous vous retrouvez, là où vous êtes. Laissons-nous
290. Pardon? 290. Ok, donc il reste 290, 290. Alors, on a des minimums, on va donner 1000. On va dire à Dieu, Seigneur, nous prenons les 1000 là comme une prémisse. Vous avez 3 000 $, vous avez 5 000 $, vous avez 10 000 $. Vous êtes à Abidjan, vous êtes à Libreville, vous êtes à Ouagadougou, vous êtes au Dakar. À Dakar, prophète, tu nous as bénis. J'ai l'argent et je veux s'aimer. Là où vous êtes, ce message est à vous. Prophète, tu es. Nous sommes avec toi à Kinshasa. Prophète, je suis de Paris, je suis des États-Unis, je suis au Canada. Prophète, tes messages m'ont toujours béni. Et je regrette pourquoi on ne voit plus beaucoup tes messages comme on voit avec tes autres frères. Voilà, maintenant, nous voulons faire cela. Nous voulons emmener les choses à un tout autre niveau. Alors, s'il vous plaît, tenez-moi la main et aidez-moi à réaliser cela. Dieu m'a donné un message pour vous. Voilà, s'il vous plaît, virez l'argent. 300, 400, 500, 1000, 10 000. 15 000, on peut le faire ensemble. Rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, quelqu'un peut donner 2 000, quelqu'un peut donner 5 000, quelqu'un peut donner 10 000. Nous avons de l'argent. Non, prophète, je veux acheter une maison, je veux acheter un appartement, je veux acheter une voiture, je mettais de l'argent à part pour rentrer au pays, acheter. C'est maintenant l'opportunité. C'est l'opportunité. Voilà, les gens demandent aussi par Western Union. Nous allons vous donner tous les détails, comment faire. Prophète, comment on peut faire pour contribuer? Voilà, voilà, allez-y tout de suite, allez vite, vite. Voilà, bâtissez ensemble avec nous. Je veux réaliser ce rêve. Donc, le 18 février, nous aurons déjà minimum 500 000 $. Nous le ferons avec vous. Vous êtes serviteur de Dieu. Voilà, Western Union, Joseph Motane. Motane, Kinshasa, RDC. Voilà, Joseph Motane, Kinshasa, RDC. Vous pouvez envoyer en son nom. Et voilà, nous allons vous donner tous les détails, hein, même les mails, où est-ce pas, comment vous pourrez envoyer les coordonnées de, voilà, de ce que vous allez faire comme transfert. Voilà, est-ce qu'on peut dépasser 1000, s'il vous plaît, rapidement? On peut dépasser 1000, nous voulons avoir cette plateforme chez vous. Oh mon Dieu, je ne veux pas beaucoup parler. Nous allons faire une vidéo officielle avant dimanche, vous allez voir, on va présenter tout le projet. Mais ce soir déjà, on peut dépasser 1000. Josué, tu peux nous dire qu'on a dépassé 1000? Là où vous êtes, allez vite, il y a le lien opérationmm.com. Allez faire un don, envoyez maintenant de partout où vous êtes. Donc nous avons même le compteur qui nous permet de pouvoir, nous sommes à 710, nous sommes à 710, il ne reste que 290 $. Donc faites-le maintenant, on dépasse 1000, comme ça on dit à Dieu, ça c'est la prémisse. Nous voulons te dire merci pour ce que tu as déjà fait en ce premier jour. Nous avons comme ça 60 jours et nous voulons donner à Dieu, nous voulons réaliser ce rêve avec vous. Je crois au Saint-Esprit, je crois au corps du Christ, je crois en l'amour qui existe encore entre les frères et je crois aux personnes qui écoutent encore le Saint-Esprit en ce temps de la fin. S'il vous plaît, alors que nous sommes connectés, Père, le nom de Jésus, bénis ces hommes et ces femmes. Je prie pour prendre cette vision, allez vite maintenant, opérationmm.com. Il y a même le lien qui est juste là au-dessus et allez-y maintenant, faites quelque chose. En fait, priez pour moi, j'ai toujours prié pour vous. J'ai toujours jeûné, prié pour vous. J'ai toujours fait des vidéos, même avec des conditions très compliquées, la connexion très mauvaise à mon niveau de ministère. Mais j'ai toujours été là. Je disais, Seigneur, quand j'aurai beaucoup de moyens, je vais faire des choses. Je vais faire des choses. Et je sais de quoi je suis capable par la grâce de Dieu. Et beaucoup de gens le savent aussi. Tout ce qui me manque maintenant, c'est juste d'avoir une plateforme médiatique forte pour permettre à Jésus d'être glorifié et au Saint-Esprit de faire pour des milliers ce qu'il fait avec nous dans certains endroits du monde. Donc je viens d'une tournée, j'ai clôturé hier, le corps est fatigué, je sens même que je suis cerné, mais nous sommes encore là parce que nous voulons, 2018 c'est l'année de l'évangélisation, de la mission. Dites-moi que nous avons dépassé, nous voulons aller à plus de 1000 rapidement. Allez vite sur le lien, envoyez 100 €, 200 €, 300 €, 500 €, 50 €, 20 €. Ce que vous avez, faites-le maintenant, maintenant, maintenant. Prenez votre carte et envoyez maintenant. Nous avons besoin de votre contribution. Allez-y vite, 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 vite. Allez-y rapidement. De grandes choses arrivent, de grandes choses arrivent, de grandes choses arrivent. N'attendez pas, prophète, priez pour nous. Nous avons prié pour vous, nous avons jeûné pour vous. Et Dieu a fait de grands. Oh mon Dieu, oh Rabashata, Rabasana. Oh merci Saint-Esprit. S'il vous plaît, venez très nombreux. Venez très nombreux. Permettez-moi de pouvoir à clôturer ce soir. Je sais qu'on peut le faire ensemble. Le lien, c'est opérationmm.com. Alors, allez-y rapidement. Nous allons donner très vite. On a besoin de 290 € ou dollars. Comme ça, nous allons clôturer. Nous voulons dire adieu. C'est la première soirée.
J'ai annoncé cette vidéo 30 minutes avant. Donc, et puis c'est une heure tardive. Mais vous avez été connecté. Donc nous sommes à 710. Nous voulons, j'aimerais que Jésus Kito me dise, voilà prophète, on a dépassé 1000. Comme ça, je peux clôturer cette vidéo. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, nous avons déjà fait notre part. Voilà un acte de foi que nous avons fait. Et nous croyons que nous allons avoir les 400 et quelques mille. 400. Voilà. Vous avez fait la soustraction, 500 000 moins 1000. Donc, voilà. Tout le montant, nous allons l'avoir dans 2 mois. Alors, en famille, vous êtes un couple, vous avez une carte. Nous sommes toujours à 710. Allez, rejoignez-nous vite. C'est juste un appel. Vous êtes à Paris, vous êtes à Genève, vous êtes à Bruxelles, vous êtes à Yamoussoukro, vous êtes à Abidjan, vous êtes à Ouaga, vous êtes à Dakar, vous êtes de partout, vous êtes. Voilà, partout, vous êtes. Voilà, il nous faut 499 000 dollars à partir de demain. Mais déjà là, rajoutez. Allez-y, vite. Je vois des gens. Nous sommes à 810. Waouh! Donc là, il nous reste combien comme ça? Il nous reste 190. 190. Ok, il nous reste 190 pour les Belges et 190 pour. Voilà. Dites-moi, nous sommes à combien? Jésus Kito, qu'on est à combien? Nous sommes à 910. Voilà. On va clôturer à 1000. Et puis, je vais vous laisser pour ce soir. Merci pour votre amour et votre générosité. C'est la preuve que. On peut avoir beaucoup de connexions et donner et dépasser. Dieu est bon pour nous et nous croyons en sa main puissante et en son bras étendu. Voilà, envoyez un 90 dollars ou euros et puis voilà, on a fini pour ce soir. C'est une manière de dire à Dieu, il nous reste 499 000 dollars, mais nous voulons, par la grâce de Dieu, il ne reste que 90 dollars et on a clôturé pour ce soir. Qui va le faire, que Dieu te bénisse si tu le fais. Et je remercie le Saint-Esprit. Vous savez, moi, dans les appels de fond, ceux qui me connaissent, même si je n'insiste pas, parce que c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'être poussé par l'Esprit. Je sais de quoi le Saint-Esprit est capable de te parler cette nuit. Cette nuit, tu fais un rêve et tu vois le prophète te parler et te dire, donne, et tu vends une parcelle et tu sèmes pour le pot, pour ce matériel. Voilà, nous voulons passer à la vitesse supérieure et nous voulons le faire avec vous. Tenez-moi la main, permettez-moi de faire ce que Dieu m'a permis, Dieu m'a poussé de faire et permettez au corps du Christ d'être béni avec des enseignements de qualité pour élever la spiritualité, la dimension de l'onction, de la puissance, le rapprochement à Dieu. Nous allons vous updater par rapport à l'eschatologie, faire des émissions dans un très très beau studio, bien illuminé, bon matériel, très beau montage, une équipe payée, des hommes et des femmes qui travaillent dans un très beau studio. Site internet, tout ce qu'il faut, vraiment Dieu va nous faire grâce. Je vous présente tous les détails du projet, mais là déjà parti. Donc tous les jours, vous pouvez déjà vous connecter à cela. Merci beaucoup. De partout vous êtes. Alors, on peut me dire qu'on a dépassé 1000. Dites-moi rapidement qu'on a dépassé et nous allons clôturer pour ce soir. Aidez-nous à passer à une vitesse supérieure maintenant, sur le plan médiatique et sur le plan de la communication. Rejoignez-moi et bougeons le monde pour Jésus. Bougeons le monde pour Jésus. On est très nombreux, notre Seigneur mérite tout ce. Voilà, nous voulons vraiment. Le domaine des médias, c'est mon domaine. Et j'ai dit au diable, je veux vraiment faire mal au diable. Le diable nous a combattu, il a voulu me tuer. Moi, j'ai failli mourir cette année. Le prophète Joël a l'être dans l'histoire. Il allait parler d'un bon prophète là qui prêchait la parole et puis qui est mort. Dieu m'a gardé vivant et nous allons faire des choses pour gagner les âmes à Christ et accomplir les priorités de Dieu. S'il vous plaît, on est à 920. Quelqu'un envoie 80 euros, 80 dollars et on a clôturé pour ce soir. Je prie pour vous et je vous laisse dormir et vous reposer. Continuez la journée, c'est le premier heure à laquelle vous nous captez maintenant. J'ai besoin de quelqu'un, prends ta carte juste et envoie. Et nous allons clôturer ce soir pour dire adieu. À 30 minutes,
du live, le prophète nous a parlé de ce programme. Nous ne savions pas, nous n'étions pas préparés à cela. Nous nous avons voulu donner 1 000 euros, 1 000 dollars comme signe dans cette grande mer des 499 000 restants. Nous voulons donner, voilà notre libéralité, notre générosité. Voilà. José, tu me dis qu'on est à plus de 1 000 et nous clôturons. Vous pouvez le faire, le lien est là. On peut envoyer le lien, www.prendrelevé.org. Voilà. On peut me dire qu'on a fini.